Nous avons passé en revue vraiment tous les grands dossiers de la CEDEAO, les dossiers au niveau donc des États où il y a des difficultés, et nous avons trouvé des solutions, que ce soit la Guinée-Bissau, que ce soit donc d'autres pays. Mais nous sommes satisfaits de la situation au Togo. Nous sommes satisfaits des décisions qui ont été prises. Nous avons revu la situation économique qui s'améliore également grâce à l'évolution positive du Nigeria. Nous avons passé en revue les questions de sécurité. Nous félicitons le Nigeria pour les progrès faits dans la lutte contre Boko Haram. Et nous avons aussi pris des décisions institutionnelles. Et la plus importante, c'était donc la désignation du président de la commission. Et j'ai le grand bonheur d'ajouter à nos concitoyens que la Côte d'Ivoire a eu l'honneur d'avoir le poste de président de la commission. Et nous avons d'ailleurs proposé donc notre frère Jean-Claude Brault, le ministre de l'Industrie et des Mines, qui sera le prochain président de la commission à compter du 1er mars 2018.